Coucou, nouveau vlog, nous sommes, c'est trop près. C'est trop près. Nous sommes mardi 15 ou 16, c'est l'un des deux, novembre. Ce matin, j'ai pas mal de choses à faire. Là, je pars chez l'imprimeur parce que les flyers de novembre sont prêts. Je fais le petit détour à la poste chercher les bordereaux plastiques parce qu'ils m'en ont mis de côté pour pouvoir cet après-midi taper tous les bordereaux d'envoi. Ça prend du temps. Au niveau des arrivages, donc j'ai reçu 2 produits sur 5 de la box de novembre. Ce qui veut dire que demain, normalement, tout arrive et demain, je fais les box. Voilà pour le programme. Ma tenue du jour, je vous la montre. C'est comment? C'est robe pull. Ça, c'est mes nouvelles boots. Un legging. On est bien. Et évidemment, ceinture. Bah oui. Je file hein, parce que je crois qu'il est déjà 10h bien tassé. Et au retour, je vous montre quoi? Les cadeaux de les cadeaux box gold. C'est ici. Et ici, on a un petit Loupio. L'amoureux de sa mère. T'es bien comme ça? Ouais, je crois qu'il est bien là. Ouh là là. Flyer récupéré. Je vais chercher les bordereaux. Je viens chercher les bordereaux box le boudoir qui ont été mis de côté bordereaux plastique. Je suis toute seule ce midi. Eric est en formation à 50 km. Enfin, c'est pas formation, mais bref, c'est une réunion préparation des examens du bac, je crois. Bref. Et du coup, je vais me prendre un petit truc à manger dans une boulangerie. Bah. Je suis rentrée. Je vais vous montrer les 3 choses. Alors, il n'a absolument pas bougé. Enfin, peut-être un peu. C'est peut-être un peu incliné. Oui, je parle de toi. Voilà. Bon, bah, j'ai mes bordereaux. C'est comme ça que ça se présente. Tous mes petits bordereaux d'envoi. Là, c'est les flyers qui sont. J'aime bien quand c'est mis comme ça, c'est tout tassé. Non. Je ne le montre pas. Vous voyez? Ils sont grands. Ça va super bien. J'ai pris du grand fariné que je vais trancher pour demain matin. Et moi, je me suis pris, alors c'est un wrap. Je voulais quelque chose sans mayonnaise. Il n'y avait vraiment pas grand-chose sans mayonnaise. Mais elle m'a dit qu'il y en avait très peu dedans. Donc, on va voir ça. En même temps, il est quoi? Il est 11h. Donc, c'est un peu tôt. Même si j'ai un peu faim. Voilà. Je me suis levée à 6h. 6h quelque chose. Donc, déjeuner tôt, forcément. Je vais me poser ici pour vous montrer. Bah, montrer ce que je vous avais dit, les cadeaux. Les beaux cadeaux, j'allais dire les petits cadeaux, non, c'est des beaux cadeaux. Tiens, je vais vous poser là-dessus, je l'ai jamais testé, c'est un mini ring qui était à Leclerc, mais c'était. Et vu qu'il y a le petit embout pour mettre également l'appareil photo, on va voir. Je vais peut-être pas mettre l'éclairage. Attends, comment tu fais? Est-ce que tu peux le surélever? Bon, pas besoin de mettre d'éclairage là. Attends, j'ai même pas mis au frigo les. Des trucs, enfin, surtout ça. On va. On va le ranger. Ah là, je commence par ce que je vous avais plus ou moins montré sans montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Coffret mais sublime de la marque Estime Essence. Et je rappelle, Box Gold, c'est l'un des abonnés de la box. Donc là, c'est la box de décembre. Un abonné de la box recevra en plus de sa box des cadeaux. Il y a des travaux juste en face de chez moi. Je pense que ça va durer une bonne semaine. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? À l'intérieur, nous avons 3 produits. Le premier, c'est un sérum anti-âge global qu'on peut appliquer et sur le visage. Qu'on peut appliquer sur le visage, mais également les yeux. On est sur une très très belle compo. Et dans ce coffret, il y a évidemment une crème de jour qui peut se mettre le matin et le soir. Et ça, c'est pas mal. On va regarder ensemble, je ne vais pas l'abîmer parce que c'est pour vous, évidemment. Je découvre, hein, j'avais pas vu. Ouais, bah c'est très chouette. Hein. Voilà le pot. C'est un format de. C'est un gros format. Hein. C'est un format de 50 ml. Et en plus, alors ça c'est hyper tendance et c'est surtout vraiment efficace. Il s'agit d'un Gyocha. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous savez, c'est le. Déjà, ça sera dedans. C'est lourd. L'objet est lourd. C'est, vous savez, les fameux. Accessoires pour venir masser, appliquer ta crème. Et en fait, ça vient drainer, ça vient sculpter, notamment l'ovale de ton visage. Je vous montre pas plus parce qu'il est très bien emballé, je voudrais pas l'abîmer, donc dans du joli papier de soie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est lourd. Voilà l'un des cadeaux de la box Gold. Et ensuite, je vous explique, je suis en collaboration depuis maintenant 1 an et demi, peut-être même 2 ans, si vous me suivez. Alors Estime Essence est une marque française, mais là, il ne s'agit pas d'une marque française, il s'agit d'une marque belge. Je rappelle d'ailleurs, ma box est ouverte
à la Belgique. Vous êtes, j'ai des abonnés en Belgique. Et à chaque fois que je publie, parce que je reçois très souvent leur article, vous me dites j'adore. Donc je les ai contactés, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresserait d'être box gold pour la box de Noël. Ils m'ont dit oui, vous choisissez le modèle que vous voulez. Et là c'est la toute nouvelle collection Ice Watch. Donc je vous ai sélectionné une très jolie montre. Je me décale et je vous montre carrément une des photos du shooting de la marque pour ce modèle, parce que c'est ça qui est intéressant. Évidemment, donc comme je vous ai dit, vous aurez la boîte et vous aurez le boîtier avec. Regardez-moi, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. Les strass ressortent vraiment bien. Je fais comme ça pour que vous voyez. J'ai oublié de dire, le coffret coûte 119€. La valeur du cadeau. De toute façon, je vous mets tout sur le site. Vous pouvez tout retrouver sur le site. Et la montre coûte 99€. Pour l'heure, je range et je monte. Je vais commencer tous mes bordereaux parce que je peux vous dire qu'il y a du taf pour le faire tous les mois. Et forcément, vous êtes de plus en plus nombreux à commander. Donc, ça fait de plus en plus de petites adresses à mettre. Petit aparté, box de décembre. Ça s'envole. Il y a de la commande. Il y a beaucoup de commandes. Cette édition de Noël va être fabuleuse. Qu'est-ce que tu veux ? Allez, moi j'y vais. Il est 4h15 et je suis toujours en train de faire mes bordereaux, sachant que j'ai mangé, j'ai commencé direct. J'en suis qu'à la première page. Ça prend un temps fou. Eric vient d'entrer, donc c'est cool, il est rentré plus tôt que prévu. Là, je viens de faire en même temps des publications, parce qu'il faut gérer aussi avec la luminosité pour faire des photos, il vaut mieux s'y prendre assez tôt. Donc j'avance, je voudrais boucler ça pour que demain, j'ai eu confirmation, j'ai reçu... comment ? Les transporteurs, Colissimo et tout ça, qui m'ont dit que j'allais être livrée demain matin. Donc ça veut dire que je fais tout demain. Et je vais même peut-être demain mercredi commencer à envoyer la première fournée de box. Mais alors là, j'ai ma maman qui va venir m'aider au fait. Elle, en début d'après-midi, moi je commence le matin bien sûr, mais elle va venir en début d'après-midi. J'ai toujours des petites choses à lui faire faire qui m'avancent pas mal, hein, franchement. La dernière fois, elle m'a fait gagner au moins 2 heures. Parce qu'on papote, mais tout en avançant bien. Donc j'y vais, je continue. Et je vous reprendrai tout à l'heure. 18h50, franchement, j'arrête les bordereaux pour aujourd'hui. On repose les yeux, surtout que nous sommes le lendemain, je ne vous ai pas repris hier. Aujourd'hui, c'est le grand jour, je reçois tout ce matin et let's go conception. Là, je vais déjeuner, il est 8h, mais j'espère que tout va être là. Alors, il est 11h. J'ai tout reçu, j'ai tout vérifié et ça prend du temps. C'est toujours l'angoisse hein, quand je sais que je vais réceptionner des choses qui sont un peu fragiles, qu'il y a de la casse ou quoi. Donc là c'est bon, je suis prête, j'ai pris ma douche, il est quand même 11h. Ça a pris plus de temps que prévu et c'est parti. Hein. Il est 13h30 et tout est tombé, bon, elles sont vides. Pour vous faire le petit point, ma maman va pas tarder. Je vous avouerai que c'était un petit peu stress ce matin pour 2-3 petites raisons. Au niveau du poids de mes box, en fait, moi j'avais calculé donc moins de 500 grammes, parce qu'après tu passes à une autre tranche de prix. Et comment vous dire que je vais pour peser une fois que j'ai mis le scotch, le bordereau, et là j'étais à 504. Donc j'ai appelé la poste, elle m'a dit ça peut passer, mais ça peut ne pas passer. Dans 3 semaines, vous aurez la surprise, enfin la facturation. Bon, donc j'ai dû retirer des petits bouts de plastique que j'avais mis en plus. Et voilà, donc il fallait que je fasse ça. Alors il est quelle heure maman? Il est 4h30 et il faut qu'elle reparte. J'en ai pas fait beaucoup. Il me reste encore tout ça à faire. Moi j'y retourne. Je vous ai presque pas pris. Il est 8h15, j'en ai plus de tête humaine. Je viens de terminer à 20h15. J'ai tout fait. Vu la quantité qui me restait, je me suis dit que ça sera sur 2 jours et tout. Et ben non, mais je peux vous dire que j'y suis allée à fond. J'ai pas lâché. Oui bébé. Et j'ai terminé. Je suis une naze parce que je suis restée debout tout le temps. Mais ça fait du bien, elles sont toutes là, les petites box. Je vais quand même descendre manger, ce serait pas mal. Bon, maintenant je vous montre. Ça, c'est après. Vous voyez, il y en a partout. Je rangerai plus tard. Ouh, bien bossé. Nous sommes le lendemain, jeudi. Je m'apprête à partir déposer les petites box. Après, j'ai grosse journée, donc il faut que je fasse deux vidéos, et que je fasse le montage de ce vlog, parce que parti comme c'est, on va être sur 3 jours. Donc je pense que je vais finir ma journée à 20h, un truc comme ça. Regardez-moi ça. Ça, si c'est pas un petit chat heureux, il est mignon. Bon, je traîne pas, parce qu'en plus, je me suis levée tôt, j'ai de l'avance, et je vais perdre cette avance. Il doit être 8h.
8h30, un truc comme ça. C'est hyper cardio. Je fais les allers-retours pour les descendre. Et je crois que je vais faire une première fournée parce que je ne voudrais pas que ça tombe. Oups. Alors, je suis rentrée de la poste. Ça a pris du temps parce qu'il faut les scanner une par une. Je me suis un petit peu repomponnée. Hein. Et je viens de tourner la vidéo de présentation de la box. Donc, j'attends que vous la receviez pour la publier. Donc, d'ici quelques jours, ça sera en ligne. Il est 40. Je dois aller chercher Eric à 12h05 au lycée. Je le ramène. Et après, je commence le montage du vlog. Et ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais même arrêter maintenant ce vlog. Si je veux avoir le temps de tout faire et de vous publier cette vidéo. J'espère que ces 3 jours en ma compagnie vous auront plu. Ça résonne de fou, là. Ah bah oui, il n'y a plus les box, ça y est. Je vous fais un gros bisou. Et bah, je vous dis à très vite. Peut-être la prochaine, c'est la présentation, carrément. Voilà, je vous embrasse. Bisous, ciao.